Wesh, c'est Elias de Body Time. Non, je rigole. C'est Elias de Body Wesh. Et aujourd'hui, bah, c'est un vlog traction. Je crois que j'ai arrêté d'appeler ça des vlogs. Ça fait mec qui a la flemme. J'ai pas la flemme. Bref, on n'est pas là pour tergiverser encore une fois. Aujourd'hui, force en traction et en squat. C'est une séance chelou, mais ça fait longtemps que je me suis pas entraîné. Du coup, je me suis dit que j'allais me rattraper. C'est une méthode comme une autre. Hein. Café time, hein, C34. Je vais pas faire le montage. Bref. Bon, aujourd'hui, compte tenu de la séance, je crois que j'en ai déjà parlé, mais je n'ai pas donné un peu plus de détails. Je vais faire du 3x3 en squat et en traction, parce que le programme 5-3, la dernière vidéo, je fais que sur les dips, parce que j'ai envie de progresser un peu plus doucement en dips, parce que mes muscles progressent vite, mais j'ai l'impression que mes tendons, articulations, tout ça, j'ai des douleurs, des gênes. Du coup, quand je fais des dips, je suis jamais serein. Du coup, je préfère y aller doucement. Le 5-3, c'est une manière d'y aller doucement, entre guillemets. Je vais essayer 3x3 à 55 kg en traction. Franchement, si ça passe, je suis choqué de moi-même. Je suis posé dessus, en mode normal. Le mec, il est à l'aise. Et en squat, 3x 115 kg peut-être, ou 3x 110. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, bizarrement. Ça va faire une semaine. J'ai l'impression que j'ai plus de jambes. Mais on verra bien là-bas. Hein. It's time to drink coffee. Attention, attention, attention. Très beau studio, n'est-ce pas? On n'a rien vu. Fut une brève interruption. C'est bon, c'est encore solide. Bref. Il y a des cercles bleus dedans, on dirait genre Cortana sur Windows 10. Attendez. Du coup, là, aujourd'hui, 3x3 à 55 kg en traction, en pronation. J'avais essayé en prise neutre, donc c'est trop facile. De toute façon, ça reste ma force, hein. je mérite. Squat, 110 ou 115. Je vais voir en fonction du filage. Je vais essayer d'avoir une bonne forme, genre une bonne amplitude. On va améliorer la technique, qui n'est pas très très bonne, mais c'est améliorable. Et bon, on va y aller tout de suite, je pense. Pan Danny Presto. Je sais pas pourquoi je dis ça, encore une fois. Wesh, là. Ça va pas les cheveux là, bref, on s'en fout, on y va. Je me suis fait mal, hein. Oh yep, en dessous là, on se sent comme un con, je voulais. Bref. Wesh, pourquoi c'est même pas fluide? Ouais, c'est noir, c'est moins fluide. La 30 fps se fait ressentir. Attends, on va sortir du tunnel pour parler. Et bah, je sais plus ce que je voulais dire en fait. Il y a un petit truc chiant, c'est que vous voyez là, au trapèze, j'ai une petite gêne. Je sais pas si vous voyez de quel gène je parle, mais ça devient chiant, mais... Ouais, non, je pense juste que si je m'échauffe, ça partira. Ça me gêne plus souvent en dips qu'autre chose, mais... Et je raconte ma vie. En même temps, c'est un vlog, vous voulez que je raconte quoi d'autre? La vie de... Je crois que j'ai senti une goutte d'eau, il va pleuvoir, je suis pas d'accord. Non, c'est pas le moment, frère. Oh les gars, j'ai tapé un sprint. En montée, il y a 5 minutes, je suis encore essoufflé, ça... Prochaine vidéo, c'est décidé, on fait un vlog sprint. Je suis congestionné en fait. Mais ah, le ciel, les gars, il est blanc. Ouais. J'en ai marre de ces stations d'épuration, ça me casse les couilles. Oh, les cyclistes. Wesh, les cyclistes. Bien. Ils ont des rétros, à votre avis? Est-ce qu'ils ont vu que je les ai filmés? Ils ont peur. Bon, je viens d'attacher mes cheveux pour des raisons évidentes. Putain, il y a toujours un problème, Théma. Ils sont pas assez longs en fait, tout simplement. Il y a plein de monde. J'aime pas. Mais bon. Let's go! Dis coucou! Bon les gars, je me suis fait copyrighter la dernière vidéo, du coup je fais les sous-titres. Ah ah, t'es trop beau Elias! Attends, comment ça se fait que t'es... Bonjour! Ah, qu'est-ce qui... Et bon, comme vous pouvez voir, le mec qui a juste la caméra, il perd pas de temps, il va direct dans l'échauffement. Donc voilà, on va voir ça. Ok, ça passe bien. Il va essayer de prendre la barre pour tester, je suppose. Voilà, ok. Boum! 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 C'est l'explosivité, les gars. C'est comme ça que ça marche. T'as des beaux, putain. Bon, j'aime bien faire la voix off, mais je suppose que je vais vous laisser avec de la musique, hein. Ça sera plus stylé. Attends, pourquoi j'ai fait un muscle up à ce moment? Bref, on s'en fout. Au revoir! Enfin, non, excusez-moi, pas au revoir. À tout à l'heure, parce que je vais toujours parler, je pense. Attendez, tu t'es imaginé, genre, les musiques, et bah, elles sont copyrightées, genre. Bon, Elodie, je suis gentil pour cette fois, mais refais ça une seule fois, je te pète la bouche. Ouah, rigole pas ici. Putain. Oh.
émission. Bon, là, on passe dans le sérieux de la séance. On va changer de musique. Wesh, il y a un chauve. Bon, là, je crois que je suis en train de dire que, franchement, 55 kilos, c'est difficile, t'as vu et lui, il est en train de dire que je suis beau gosse. Bon, frère, arrêtez de forcer avec ça, vous rendez fou. Au moins 5 minutes de repos, parce que c'est vraiment intense. Et de toute façon, j'ai le droit, parce que je fais de la force. J'ai pas de muscu, je m'en fous. L'ennemi, je suis tombé. Bon, je vais faire mes commentaires entre chaque série ici parce qu'il y a la musique là-bas. Et je me suis déjà mangé des copyrights et ça commence vraiment à me casser la tête. Et voilà, tout simplement. Donc j'ai dit là, bon bah j'ai fail, comme on a pu voir. C'était compliqué de tenir les 3 reps. Enfin, en fait, la dernière, je pense qu'elle pouvait passer, mais genre très très difficilement. Mais enfin, le truc, il est tombé quoi. Du coup, je vais pas en faire une autre, je suis déjà fatigué. Et voilà, on va essayer de tout donner sur la dernière série et on va voir. Ah, copyrighté, du coup, là, je suis en train de dire de la merde encore une fois, mais du coup, pourquoi je commente? Bref, je suis en train de dire que j'essaye de bien mettre ma ceinture parce que tout à l'heure, elle est tombée. Et quand elle tombe, bah, je peux plus faire de traction. Et du coup, j'ai envie de faire des tractions. Voilà. La séance traction elle est terminée, je sais pas si genre je suis chaud nerveusement pour faire plus lourd que d'habitude en squat, enfin je sais pas articuler, et du coup je vais peut-être rester à 110 et je vais filmer ça, je sais pas si je vais filmer l'échauffement parce que... Et voilà, 3 x 110, je vais essayer d'avoir genre une bonne amplitude, bien descendre et bien remonter, et bon on va voir ça, et j'espère qu'il n'y a pas les copyrights encore, ça me casse les couilles. Je suis en train de me manger l'after effect du café là. J'ai mal à la tête, je réfléchis à deux à l'heure. Je parle lentement aussi. Et bon, si on est là, je suppose que c'est pour faire un débrief de la séance. On va faire un débrief de la séance. Donc bah, la séance, franchement, en termes de performance, c'était pas trop ça. Genre, j'ai pas réussi à faire mon 3x3. J'ai fait la première série, les 3 reps sont passés. Je sais pas si la dernière elle est bien passée au-dessus du menton, on regardera. La deuxième série. C'est mitigé. Bah en fait non, c'est pas du mitigé du tout, elle est tombée la ceinture. Enfin, du coup, je sais pas. C'est... J'aurais peut-être pu taper la troisième. Je sentais que la troisième était là. Hein. Mais difficilement. La troisième série, bah j'ai fait 2 reps. Ah, du moins la troisième, j'ai fait du keeping, genre j'ai fait du coup de genou, du coup c'est pas parfait. Et pour les squats, ça va. Genre j'ai pris une meilleure amplitude que sur ma dernière séance. Il y avait le même poids, 110 kg, mais l'amplitude a été carrément mieux, je trouve. Vous verrez, si je mets un comparatif, je pense pas que je vais remettre parce que j'ai la flemme. Ce parce que j'ai eu la flemme, il va apparaître dans toutes mes vidéos. J'ai toujours la flemme. Faire une vidéo, déjà, c'est bien, vous voyez. Bref. Et en termes d'intensité, sur une échelle de 1 à 10 en traction, je vais mettre 8. Je mets un bon 8. Genre, on est dans le top. C'est pas top chef, frère, que je raconte. C'est pas un dîner presque. On s'en fout. Bon, allez, je mets un bon 8 pour les tractions à 55 kg. Et pour les squats, c'était bon 7, 8 aussi. Parce qu'en fait, c'est venu juste après les tractions qui m'ont fini tôt, nerveusement. Et ça va, ce fut une bonne séance quand même. Les points à améliorer, bah, faut être plus fort, en fait, tout simplement, pour les tractions. J'aurais peut-être dû passer à 52,5. Parce que mon dernier.
3x3, c'était à 50 kilos. J'ai rajouté 5 kilos sur une séance, je suis taré. Mais après, c'est parce que je trouvais que c'était assez facile pour les 50. Genre, c'était faisable. Du coup, je vais peut-être mettre sur 52,5 à la prochaine. J'essaie de faire 3x3 et ça va passer, je pense. C'est sûr que ça passe. Et en squat, peut-être améliorer la technique. Et ouais, ça doit être tout. Hein. Bon, moi, je vous laisse. Je vais dormir. Je vais pas dormir, je vais faire le montage. Je crois que je vais finir à 2h du mat, plus. Ou je vais peut-être même pas le finir parce que là, j'ai envie de faire des trucs marrants. Bref. Du coup, j'ai fini le montage à 1h34. C'était presque 2h.